À la fin des années 60, à New York, certaines individualités, motivées à la fois par le désir de s'affranchir du groupe, mais surtout par la prise de conscience que la répétition de leur signature leur attribuait une notoriété, les Tacky 183, Eva et Barbara 62, Stay High, mais aussi d'autres donnèrent naissance au writing. Ce geste inaugural devint très vite un vrai mouvement. Chaque matin, une autre signature apparaît, à tel point qu'il faudra inventer une nouvelle manière pour se distinguer. Leur tag au marqueur laissait place à d'imposantes lettres peintes à l'aide de bombes aérosols et contournées. Le dessin de la lettre va faire, dès lors, l'objet d'une invention continue. It was, underdog prevailing. You know, it was like minority youth. It was perceived as minority disadvantaged youth taking their lives into their own hands and creating something in spite of what society had given them. You know, they overcame the handicap of their social standing and position through graffiti. And I think that was something that people all over the world identified with. Reprenant un mode de communication primaire, les New Yorkais communiquaient au monde entier. Personne n'avait alors réalisé l'ampleur qu'allait prendre ce mouvement. Dès qu'ils l'ont vu, des milliers de jeunes adolescents peuplant les capitales du monde ont compris leur démarche et l'ont reproduite sur les murs de leur propre ville. Bon, parce que moi je savais pas qu'à Paris ça se faisait. Et puis j'ai vu qu'il y en avait un qui en faisait, alors j'ai commencé moi. Le premier à Paris, c'était pour nous. Bon, je pense en 81 ou 82, j'étais au studio d'Henri Chalfont à New York. Je me rappelle plus comment je suis arrivé là, mais j'ai rencontré Bear 167 de TDS. Et après, j'ai été faire des graffitis pour un soir, un truc horrible. Et c'est parti de là. Je passais genre 2-3 mois par an là-bas. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à en faire. Mais bon, vu que j'habitais à Paris, c'est plutôt à Paris que j'en faisais beaucoup. Je commençais tout seul, après j'ai rencontré Scam. Et pendant plus ou moins un an, on était tous les deux et il n'y avait absolument personne à Paris. En fait, il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient de la peinture urbaine, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui prenaient soit leur bombe, soit leur pinceau pour aller dans la rue. Comme il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient du graph, on se connaissait très facilement. On était une poignée, donc avec les PCP, Sao, Jayski qui sont arrivés un petit peu après, et Bando, quoi. Plus Lukis et Sibion, je ne sais pas si c'était dans un groupe ensemble. Mais il y avait Lukis, Sipion et Iris. On n'avait pas beaucoup d'informations, on en avait très peu. Quoi. Tout ce qu'on voyait, c'était à la télévision. Funky Flash dans le béton, mais ouais, c'est là que c'est cool. Avec Futura 2000, avec de graffiti. Futura. Et c'était, t'avais 3 secondes pour attraper une image et puis d'essayer d'en faire quelque chose. What I remember more about Paris at this time was not really the graffiti movement, because I think it took a few years for artists in Paris to begin to create their own movement. Donc à cette époque-là, nous, on était rien du tout. On faisait des graphes, mais c'était, il n'y avait rien au niveau du style. But in the next year, in 83, 84, I began to see some tags and pieces in Paris, in the suburbs. En fait, avec Scam, depuis le début, on peignait sur les quais. Parce qu'il y avait plein de murs et personne ne peignait. Enfin bon, il n'y avait personne, mais il y avait 40 000 murs. On n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine. Et en plus, genre, on se faisait courser une fois sur deux, mais ces connards de keufs n'ont jamais eu l'idée de venir des deux côtés. Donc en fait, c'est cool comme plan. On n'arrêtait pas de peindre sur le quai de la Seine. Ben, ça se passait entre le pont de la Concorde et le pont Neuf, et principalement sous le pont du Carrousel. Il y avait la Force Alpha avec Blitz qui faisait l'intérieur du tunnel et avec Dauban. On avait arrêté le pont du Carrousel, quelques rues dans le 7e. Des squares dans le 15e,
Il y a eu une opération, en fait, c'était la construction de Beaubourg, c'était la fin de la construction de Beaubourg. Et donc on a peint autour de Beaubourg à deux ou trois reprises, et il y avait donc une visibilité maximale. Il faut se resituer à l'époque, c'était l'époque des punks, des skins, des bandes dans Paris. Et à ce moment-là, il y a eu les chasseurs de skins, et là a émergé cette culture américaine du hip-hop. C'est à cette époque-là qu'elle a débarqué sur Paris. À Paris, les Zoulous sont funky. Yeah! Des graffiti, et c'est là que j'ai connu Philippe, et il m'a donné des conseils pour peindre, il m'a appris des trucs essentiels pour commencement. Sinon je fais aussi partie de CDK, Crimson King. En fait je rencontre Colt un ou deux mois après avoir rencontré Scam. C'est à ce moment-là qu'on décide de faire CTK, je crois, avec Colt et Scam, et après on a rencontré Mode, machin, tout ça. Les styles commencent à s'affûter et les writers développent leur maîtrise de l'aérosol en taguant et en graffant dans tout Paris. Ils se regroupent par crew, celui de Bando, Scam et Colt, les City K, Crimetime Kings, fait partie des groupes leaders à Paris. À la même période, la scène londonienne se développe. Un groupe, les TCA, The Chrome Angels, s'y est particulièrement démarqué, notamment grâce à un de ses membres, Mod 2. Bando en entend parler et par les rencontrer. One of the first significant changes for the Chrome Angels was when we were introduced to Brando. In 85, he came to London to meet Mode, and had obviously showed us all the stuff he had done, and it was one of the turning points, the major turning points for the Chrome Angels. And up until that point, one or two artists had come over, but Brando was probably the first artist to come to us from a non New York background. On l'a rencontré au printemps et la première fois que je suis venu peindre avec sur Paris, ouais, c'était en mai 85. Ouais. When Mode came back from Paris in 85 and showed us what Bando was up to out there, we knew we had to go out there and before we knew it, we were in Paris. Et lui il avait CTK, nous on avait un TCA et les mecs de ton groupe ils viennent dans le nôtre et vice versa, c'était un peu ça le délire. Ouais, je m'appelle Mode et je viens de Londres. Ça fait, je sais pas, 7 ou 8 mois que je fais du graffiti avec Bando et Stéphane ici. Je spécialise dans les personnages pour le crew. Et c'est moi qui fais la plupart des personnages sur les graffitis qu'on fait partout. Lui, il venait toujours faire les personnages. Moi, je faisais les lettres. Et on remplissait tous les fonds, les machins, les Colt faisait les lettres et les fonds. Et voilà, on n'arrêtait pas de peindre constamment. Et donc, Mode, à chaque fois, faisait les personnages qui mettent à l'amende tout le monde, même maintenant il n'y a pas un mec qui arrive à sa cheville. Et c'est le seul en graffiti qui pourrait ne pas faire de lettres du tout et faire que des personnages et être considéré comme un meilleur du monde en graffiti. Au même titre que genre Sin et compagnie, parce que le mec il a un style inimitable, que plein essayent d'imiter et que personne n'y arrive. Et voilà quoi. Et c'est par rapport à voir des gens comme Bando où il dit putain merde il cartonne le mec nanana. Après tu tombes sur les BBC, tu vois, genre alors c'était... On cherchait en fait du stimulus au niveau un peu un genre de défi aussi. Alors que les deux ténors anglais et français Mode et Bando se sont regroupés et enchaînent les peintures sur les quais, Chou, une des figures d'Amsterdam et les membres de son crew, les USA, United Street Artists, sont à Paris. Ils découvrent les peintures des TCA et des CTK et ne vont pas pouvoir s'empêcher de leur montrer qu'ils sont là. I remember I got a postcard from Shu, like 85, he went on holiday to Paris and he sent me a postcard like that he almost fell into the Seine, the River Seine, Seine, because he saw this amazing pieces on the riverbank, probably done by Futura on an alias, that's what the text said on the postcard. And I was like, wow, what was that? With the most amazing robots and characters. Vu qu'on n'arrêtait pas de peindre sur les quais de la Seine, on était constamment en train de faire des photos, des machins, on revenait le lendemain.
Et un jour, on arrive sur les quais de la Seine et il y a genre Chou et je sais plus. Chou, Jazz et Yann sur les quais. On a halluciné, on a dit qu'est-ce que c'est que ça et tout. Parce que les mecs cartonnaient en plus. Tu dis putain merde, ces mecs là ils ont du style aussi. Donc on a attendu devant leur graffiti parce qu'on savait qu'ils allaient revenir faire des photos. Et Scam voulait les jeter dans la scène et moi j'étais non, vas-y, abuse pas. Il y a deux mecs qui se pointent, en fait c'était Chou et Jazz je crois. So a bunch of guys sitting there just hanging out. And walked over to them and said, hey, who's doing all these pieces? Là, ça a commencé à discuter tout de suite. Et lui, il avait quelques faux photos, alors tu voyais ce qu'il faisait. Et c'est là où ils nous ont invités à Amsterdam, à aller voir là-bas. Et on a été, en fait, on est devenus copains avec eux. Et c'était genre Delta, Angel, tous ces mecs-là, Gasp et compagnie. And from then on, we started piecing together all over Europe, really. And well, first in Paris, of course, then Amsterdam, then we started traveling. Là, c'était parti pour l'été 85 et jusqu'en 86, Bandeau et les Argents et Noirs partout, Tocol aussi, c'est genre d'époque-là. Quoi. So, when Mode and me and Bando hooked up in Paris, it had some significance, I guess, because we felt like we were sort of the ambassadors in Europe of this whole new thing called graffiti. Les CTK, eux, c'était l'école européenne. C'est-à-dire que pour moi, Bandeau, Cro-Mangers, Chou, tous ces gars-là, c'était la même équipe. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient commencé à faire des lettrages qui étaient bien, qui étaient différents des lettrages new-yorkais. Ils étaient pris sur les lettrages new-yorkais, par exemple. Bon, je sais que Bandeau a été influencé pas mal par Dondi. Bandeau was influenced by writers from New York. Well, he was partly from New York, but he gave it definitely his own twist to it. Well, we were very inspired by that. Et bon, il est arrivé avec un truc complètement nouveau qui a complètement pété les yeux à tout le monde et tout le monde s'est mis dedans, tu vois, parce que c'était un changement, les lettres elles étaient différentes. Déjà, il faisait un espace entre les lettres qui se raccordait avec des raccordements très fins, très machin. Et bon, ça, c'était une nouvelle ère qui s'ouvrait là et c'était vraiment le départ du graffiti européen, quoi, tu vois. Avec Bandeau, genre 85, tout ça, genre quand il a commencé à faire les argents et noirs avec les lèvres un petit peu style pointu, là, tout ça, parce que plein de mecs, plein d'Allemands ont pompé, mais c'est pas, quelque part, il faut avouer que c'est un peu le parrain du style européen. Quoi. And they were like the golden duo. Like, he was the king of letters and he was the king of characters at that time. I mean, there was. People were like, oh. They were like the superstars. Of graffiti for Europe at that time. Bandeau and those guys were great. I mean, they were, you know, they're very important for the French movement because they were probably the connection between what we were doing and what began to be happening in France. Certains artistes, comme Futura, exposent fréquemment à Paris. D'autres, comme John Wan ou plus tard A1, viennent s'y installer et participent au développement de la scène parisienne. Au début, quand j'habitais à New York, j'avais rien à foutre de la France ou à rien dehors de Five Boroughs, you know. And then when I met Bando, il m'a montré des photos de qu'est-ce que les gens faisaient à Paris et ça m'a fait flasher. J'ai vu, I was like, oh shit, you know, this shit is bad. J'ai vu le travail de like Chou and Bando and Motu and the characters and the colors and et je disais waouh, c'est ils ont leur propre style, ils ont leur propre vibe, you know. Avant le graffiti, genre le mot graffiti, déjà genre si Face 2 il m'entend en train de le dire, c'est comment ça, bitch slap comme il dit, genre alors c'est pas genre c'est writing le terme d'origine et les mecs qui faisaient ça ils s'appelaient des writers, c'était l'écriture. Graffiti is I think like a crossover word for people to like kind of understand about writing, because when we were younger, I never remembered us saying we're gonna go graffitiing, you know, we was always gonna be writers, you know. Et justement avant writing, le
il y a plein de mecs qui pensaient que jamais ils auraient des capacités de s'exprimer avec la forme ou la couleur. Mais au lieu de prendre des choses qu'on voit, des immeubles, des sites, des salles, genre la culture c'est basé sur le ABCD qu'on connaît tous et qui est la base du langage écrit. Et là, genre, d'un coup, on est tous mis au même niveau, quoi, tu vois. Et c'est qui va pouvoir sortir des ABC qui donnent mieux que les autres. Moi, j'ai toujours trouvé que les lettres de mode défonçaient 10 fois plus que les miennes. Donc, je regardais son book et j'essayais de pomper sans pomper. Mais je crois qu'on était tous fascinés par la différence de style, genre les uns des autres, quoi, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, c'était une prise de tête constante sur les lettres. C'était genre, vas-y, il me faut un C. Et, c'est parti pour deux jours de galère pour essayer de trouver un C mortel. Et, ouais, je regardais toujours en boucle de mode, et le mec, il traçait genre en deux secondes au bic et ça défonçait des fois, parce que moi, j'étais dégoûté à chaque fois. First of all, graffiti, to me, is about the form of the letter. I mean, the letters are everything. Le tag, c'est de l'écriture au trait. Et le graphe, c'est des lettres contournées. La lettre, dans le cas du graphe, prend du volume, de l'épaisseur, ce qui suppose de la dessiner. Comme pour les alphabets conventionnels, dans le graffiti, chaque lettre se construit. Et le jeu du writing, c'est de partir de lettrages classiques et de les personnaliser en faisant évoluer leur construction. Soit le style reste le plus lisible possible et se concentre sur le tracé de la lettre, c'est le cas par exemple des block letters, soit l'exercice est de dynamiser la forme des lettres quitte à en compliquer sa lecture. Ce genre de lettrage est généralement appelé le wild style. Et dessiner des lettres machin en graffiti, c'est un style de lettres, un style de calligraphie qui n'a jamais eu d'égal dans le monde jusqu'à présent. Et c'est uniquement en faisant des graffitis et en cartonnant en graffiti que tu peux commencer à comprendre les fioritures du style. Et tous les styles qui se sont développés en Amérique, en France, partout, en Hollande, en Angleterre. Le graffiti s'est développé partout où il a pu. D'abord sur des espaces illégaux, et notamment sur les murs des quais de Seine et dans la rue. Mais il s'est aussi emparé de nombreux lieux abandonnés, les terrains vagues, où les graffeurs pouvaient se rencontrer et prendre le temps de développer leur technique et leur style sans être trop inquiétés par la police. Les quais, ça commençait à être grillé parce qu'ils recommençaient à repeindre de plus en plus. Ils commençaient à mettre des produits spéciaux pour pas que la peinture n'adhère. Mais le pont du Carrousel, en fait, il donnait sur le Louvre et au-dessus, il y avait le chantier de la pyramide du Louvre. Donc, un bonheur, tu vois, des palissades partout. Mais bon, c'était pas vraiment légal. Tu vois, et il y avait les BBC qui peignaient, il y avait des graphes, un graphe de Scipion comme un serpent qui partait dans tous les sens. Il y avait le aérosol art de bandeau en chrome et noir qui tuait sur le devant de la palissade. Et sur le côté, juste sur le côté gauche, il y avait un graphe de Motu qui était contour rouge avec des verts, vert turquoise, vert d'eau et qui tuait aussi avec, si je me souviens bien, à la place du haut, il y avait une teuté un peu de perso chelou. Mais c'était, ouais, pour l'époque, ça cartonnait. Et voilà, tu vois, moi, ça m'a mis des vibes. Et si je peux encore, c'est peut-être à cause de mecs comme eux, voilà. Et puis il y a eu Stalingrad en fait. Quand Stalingrad est né, bah, les BBC ils ont bougé, ils ont lâché les palissades et puis ils sont tous partis vers le nord. En fait c'était les transits entre Stalingrad et les palissades du Louvre pour essayer de peindre. Et c'est vrai que c'était vraiment les endroits où tu pouvais peindre relativement tranquillement sans avoir de problème et où il y avait du monde qui passait. Quoi. Stalingrad, je crois que ça a été découvert par Sao. Et moi, par hasard, un jour, je passais en métro, aérien, et je vois un graffiti au fond du terrain vague, Sao, et je crois que c'est lui le premier, en fait, à faire un graffiti là-dedans. Au début, quand on l'a trouvé, c'était un terrain vague avec plein de plantes et plein d'arbres qui poussaient. Et H est arrivé et a commencé à débroussailler les trucs. Et puis, quelques jours après, Bando est arrivé. Il a monopolisé quelques espaces devant. Et voilà, comme ça, ça commence à démarrer. On s'est incrusté sur le mur devant avec Stéphane. Mais en fait, c'est parti de là, quoi. Mais c'est les BBC qui ont peint dans ce terrain en premier. Cette superficie de terrain, ce positionnement de terrain par rapport au métro, par rapport à la rue, par rapport à plein de choses,
Surtout par rapport au métro, il était trop bien situé parce que du métro, on voyait tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était trop top. C'était un terrain unique, en fait. Il y a deux périodes à Saint-Germain. La première période, donc la période la plus importante, c'est la période de Graff, où des gens qui viennent voir du Graff, c'est-à-dire même les taggers, les TCG, d'autres graffeurs, Dark, Alp, ils viennent pour rencontrer des mecs qui peignent comme eux. Mecs qui viennent pour breaker, donc il y a l'unité, l'unification du hip-hop qui se renforce parce qu'il y a plus d'endroits pour aller breaker, il y a plus de salles Paco Rabanne. Ah oh les frères et sœurs, nous sommes ici au centre Paco Rabanne, c'est là où tout se passe ce soir puisque c'est notre dernière émission de l'histoire du hip-hop in France en 1984 et c'est maintenant la finale, les frères et sœurs, c'est hier! C'est hier! Tu vois, donc les gens ils se rencontrent là-bas. Pour moi, ça, c'est une période. La deuxième période, c'est la période où il y a beaucoup de gens qui ont commencé à venir pour voir des graves et pour aussi dépouiller des gens. Voilà, deux périodes distinctes. Mais en fait, il y a eu 40 000 embrouilles de mecs qui voulaient venir au terrain peint, d'essayer ça, ils se sont fait salader, voler les bombes, les Allemands qui voulaient venir, qui se sont fait plus d'air et que ça n'arrêtait pas toute la journée. À l'époque, il y avait un certain service d'ordre dans le terrain vague et qui permettait pas à tout le monde de peindre là où il voulait, quand il voulait. Quoi. Nous, on a toujours continué à venir, à peindre, parce que cet endroit, pour nous, ça nous appartenait. Nous, les graffeurs, avant. Et moi j'aimais bien le terrain parce qu'il y a le côté organique aussi des choses, tu vois, c'est ces arbustes qui poussaient tout le temps, on avait beau les couper, ils repoussaient tout le temps et c'était cool quoi. Et quand il pleuvait, il y avait cette odeur de bombes rouillées par terre et le graff par rapport à ce milieu organique et déchiqueté en même temps, c'était fantastique, il y en avait une bonne énergie quoi, tu vois. Enfin bref, on a créé un espace, c'était un espace d'art pour moi, c'était même pas un terrain vague après, tu vois, c'était une galerie en plein air quoi. En 1986, Henri Chalfant vient à Paris. Ce photographe américain est l'auteur avec Martha Cooper de Subway Art, un livre sur les graffitis du métro new-yorkais et producteur du film Style Wars, deux références importantes pour les writers du monde entier. Il vient en Europe faire un livre sur le graffiti à travers le monde et va écrire dans Sprague & Art les premières pages de l'histoire du graffiti français. In Paris, you know, I'd heard from writers and there was a whole graffiti scene there. And so I went there because I was working with Jim Prigoff on the spray can art. So and through Bando, I got in touch with, you know, Ski and Jackie and those guys and Lokis. Et il m'a appelé parce que je le connaissais d'il y a super longtemps et il voulait venir à Paris parce que c'était un livre mondial sur les graffitis. Donc j'ai prévenu tout le monde qui venait pour faire l'un. Donc tout le monde a préparé les murs pour son arrivée. What was interesting about Paris is that while they got their base from New York graffiti, they immediately transformed it into some, you know, difference, something original of their own. More than New York, you know, they got into kind of an art school style, like they had. Mm-hmm. They had their technique was at a higher level, more accomplished than, you know, New York style at the time, which was sort of more energetic maybe. You know, the color sense was all different and the rhythm of the line of the painting was different.
and the characters were very different. It was already influenced by you know, Japanese comic characters, space characters like mm-hmm. that, which had not yet been seen in New York. And then somebody like Lokis was a wonderful abstract artist, really. Very, you know, pattern design. It's really nice stuff. Comprendre qu'à un moment, entre Case 2 et Duster ou Nox en 67 et enfin les murs qu'on connaît, parce que à ce moment-là on a peu de photos, donc c'est le fameux Style War dans Subway Art, phénoménal, c'est le seul bien qu'il ait fait parce que Nox 67 c'est un peu décevant à côté. Donc voilà, tout ça c'est tout d'un coup, je vois le Style War, ben, tu te dis dans ta tête où je vais vers la vibe scene où la technique prévaut surtout, le style et la qualité des lettres prévaut surtout. Où je vais dans la vibe Style War ou Case 2, même si Case 2 reste Hotline, mais bon, il est plus futuriste, il commence à... On ne lit plus très bien ce qu'il écrit, etc. Et on perd le message, donc voilà. Ainsi, deux écoles s'affirment. Celle des City K, qui privilégie la lisibilité du nom et travaille principalement le tracé de la lettre, et celle des BBC, qui privilégie la forme du nom dans son ensemble. Le contour de la lettre n'est plus utilisé pour la faire ressortir, mais pour aboutir à un mouvement d'ensemble. Ils arrivent à des niveaux de décomposition des lettrages tels que leur nom devient illisible au profane. Et donc par rapport à Mando, c'est vrai que ça nous a permis de développer notre style, notre école, notre façon de penser d'une manière totalement différente. On a très peu travaillé la technique, tout le contraire des CTK, mais on a beaucoup travaillé par contre les compositions, mais aussi les sujets sur lesquels on travaillait, tu vois. Et ça c'était très important pour la différenciation des deux écoles. À cette époque-là, ce qui est son point fort, c'était, pour les gens qui voyaient son travail, c'était les personnages. Ils faisaient des personnages carrés avec des grosses baskets. C'était carrément, pour moi, c'était des lettrages. Parce que moi, je connaissais ces sketchs. Et les personnages qu'ils faisaient, c'était carrément des lettres. Bah, 87-88, dans le groupe, c'était Jay qui faisait les premiers lettrages, qu'ils étaient à peu près convenables. Et Jay, lui, est arrivé avec un style qui était cassé, tu vois, semi-wall style, comme on dirait. J'ai travaillé un style de ce qu'il aime appeler le Sommet Wildstein. Puis moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la composition de mon nom. C'est-à-dire prendre chaque lettre et en faire les rassembler, les assembler et en faire quelque chose de compact. Tu vois, d'en faire une sorte d'icône. De 85 à 88, à côté de Stalingrad, le graffiti s'est aussi et surtout développé dans la rue. La plupart des graffeurs de terrain vague, et surtout des milliers de jeunes taggers, développent le graffiti dans son essence même, celui qui impose son nom aux autres sans permission, sur tous les supports visibles par le public. Toutes les voies de circulation, la rue, le métro, les trains, les camions, vont être utilisées par les taggers pour se faire connaître dans toute la ville. Là, quand tu fais des trucs comme ça. Je sais plus. Là, je sais plus. Je peux pas te répondre. Je suis en train de me demander ce que je fais là. Ça va. Je tag. Terrain vague, c'était marrant parce que tout le monde s'en rencontrait. C'est là où tu pouvais vraiment prendre ton temps et faire des trucs qui, techniquement, étaient les mieux que tu puisses faire parce que t'as pas la contrainte des cups, des machins. Mais c'est pas des graffitis, ça. C'était genre on rigolait, machin. Ce qui était important, c'est tout ce qui se passait à côté. Beaucoup de tags à l'époque, énormément de tags, c'était une facilité énorme à taguer parce que les gens comprenaient pas ce qui se passait, donc on pouvait taguer dans le métro devant tout le monde, etc. Et Sign et Squat faisaient partie des mecs qui cartonnaient. Avec Sign, on faisait des sorties pendant un an, on a fait que ça en bicross, avec des sacs à dos et on avait des plans de Paris et on massacrait par quartier, quadrillé, genre on faisait les artères principales et après les petites rues. Et donc on n'arrêtait pas et ça c'était une grande époque, c'est là où j'ai découvert qu'en fait l'important c'était de taguer et pas de faire des grands murs. Et c'est à cette époque-là qu'on a rencontré Gilles, boxeur. J'ai commencé par faire des tags et c'était déjà bien difficile. Mais si j'avais pu avoir de quoi faire des graffitis aussi rapidement qu'un tag, je crois que j'aurais fait que des graffitis. J'ai pas tagué plus que d'autres, contrairement à ce qu'on peut croire. J'ai simplement cherché à chaque fois, comme l'aurait fait un publicitaire, le meilleur endroit. Je me posais la question, tiens, et si moi j'habitais là, où est-ce que mes yeux se porteraient en tout premier lieu dans la journée ? La réponse, elle me sautait aux yeux en général. J'en mettais un là, j'avais pas besoin d'en mettre trois. Et on n'arrêtait pas de barber des bombes, on faisait que ça toute la journée. On barbait des bombes et on allait défoncer des murs. Je suis surtout spécialiste dans
Le vol en tout genre. Non, les bons en peinture, les feutres, les cahiers. Parce que quand t'as pas les graffitis, on peut pas se permettre de payer la peinture. Parce que déjà, c'est trop cher, puis... C'est la honte. Ouais, puis y'a plus de charme. Non, c'est la honte, ça. Acheter ces bombes, c'est exactement comme payer 5 Kaira pour faire semblant que tu leur casses la gueule devant ta meuf pour faire style t'es une Kaira. C'est exactement ça, alors c'est pour ça que c'est important de voler ces bombes. Ouais, je possède le record, j'ai volé en une seule fois 100 bombes. Je dirais pas le nom du magasin, parce que bien, hein. Il risque d'avoir des problèmes. Une bombe, c'est grand comme ça. Mmh. Ouais. C'était montré que t'avais un petit peu plus de couilles ou d'intelligence que les autres. Et puis, toujours ne pas rentrer dans cette démarche commerciale. Mais quelle est la logique du gars qui va dépenser un quart de sa paye pour aller tout casser? Il va dépenser son argent pour se faire gauler et qu'on l'envoie en prison. C'est excellent. Non, quitte à te faire gauler, fais-toi gauler tout de suite quand tu prends la peinture. Tu prouves que t'es un mauvais, t'iras pas plus loin et t'éviteras la phase 2, rembourser 1 million de francs à la RATP. Il y avait un possi qui dominait vraiment le tag, c'était les TCG. Les TCG étaient eux plus, ils peignaient pas vraiment de murs, quoi qu'ils en ont fait quelques-uns. Chic a fait des murs, des trucs pas mal en plus, mais eux c'était surtout de la déchire, quoi. Donc eux c'était vraiment... On est en haut. Il est trop beau le guitare. Le carbure s'est fait en 86. 87, 88, quoi, ça n'a jamais arrêté, quoi. On descendait les voies, on marchait, on rigolait. En descendant comme ça les stations, le long des... La sécurité n'était pas du tout la même que maintenant. Hein. Parce que plus c'était neuf, plus il fallait dégueulasser, en fait. C'était ça l'esprit. C'est pour ça qu'on allait dans les premières classes. Alors toujours la première classe. On s'évite toujours en première classe. Vous avez vu ça? Voilà, maintenant on se calme parce qu'on arrive en station, quoi. Quelques trains qui étaient près des cabanes des gardiens, on massacrait tout, quoi. Intérieur, extérieur, on ouvre les deux ports, on est rentré dans... Ce qui est impossible à faire maintenant, apparemment, vraiment strictement impossible. On aime 7, quoi. Et on progresse dans le danger, quoi, voilà. Et c'est génial. Pour moi, c'était les meilleurs, les mecs, ils avaient du style en 89-90, des styles que tu ressortirais aujourd'hui, les mecs, ils tomberaient par terre tellement ils tuaient, et eux, c'était des vandales, quoi. C'était la rue, ils déchiraient les métros, les extérieurs de métro, les entrepôts, c'était que du vandal, mais avec un vrai style et que du tag. Ils s'en battaient les couilles, et pourtant, c'était des gars qui étaient associés au BBC, donc à des gros graffeurs, ils auraient pu apprendre s'ils avaient envie, mais ils s'en foutaient. C'était teasé, volé et tagué, voilà, c'était ça leur délire. C'était ça, TCG, The Crime Gang, tu vois. D'ailleurs, quand ils sont associés, les DRC et les TCG, ça a donné les NTM. C'était à peu près dans cette époque-là, 80, je pense 88, par là. Bon, les DRC, c'est Joey, Chino, moi, DI, Tusqua, Sign et Mod. Voilà, les DRC, c'est ça, Darrett Chiffon. C'est en fait l'alliance entre DRC et TCG qui fait le crew NTM, 87. Donc ça, c'est la première association. L'idée de NTM, c'était de massacrer. C'était une association de personnes qui étaient des vandales pour massacrer le plus partout et marquer NTM partout, quoi. Quoi, avec Kaze, Monster Kaze, qui a influencé trop de gens en France sur le Goethe, quoi. Des milliers de tags commencent à recouvrir Paris. Et pour se distinguer, certains writers exécutent des graphes dans la rue. Plus visibles et plus risqués, ils valent des dizaines de tags. Mais ils sont plus longs à exécuter. Pour gagner du temps et être facilement visibles, les graffeurs utilisent une colorisation assez basique. Une couleur claire pour l'intérieur des lettres, une couleur foncée pour l'extérieur.
c'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire beaucoup d'argent et noir. Ce qui est d'une part beaucoup plus lisible, donc c'est comme un gros tag, et d'autre part c'est le truc le plus dur à faire en graffiti parce que t'as que deux choses qui sortent, la technique et le style. Il n'y a pas genre ce masque de couleurs avec des grands personnages, des baleines, des dragons, qui servent absolument à rien, c'est tout pourri. Ça devient de la calligraphie pure et du style pur. Voilà. Et c'est vraiment, pour moi, les seuls trucs en graphique qui sont bien, c'est vraiment les trucs avec des couleurs super simples, à la con, sans fioritures, sans rien, et voilà. Inspirés par New York, les writers veulent peindre des graphes sur les wagons du métro. Le tag, rapide à exécuter, permet de recouvrir plusieurs rames, ce qui oblige la RATP à les faire circuler. Mais généralement, le temps nécessaire à faire un graphe ne permet de peindre que peu de wagons. La RATP peut alors les immobiliser et les envoyer immédiatement au nettoyage. On avait fait des métros à l'époque, mais ils sortaient jamais. Donc on s'est dit, ça sert à rien de non seulement gâcher les bombes, mais en plus prendre des risques d'enculer pour rien. Donc on s'est dit, vas-y viens, on fait des argent et noir dans tous les tunnels. Ça paye plus, ça reste, machin, et donc on a commencé à faire des argent noir dans tous les tunnels. Et c'était sorti toutes les semaines, tous les soirs, avec... Il y avait Sign, Colt, qui taguait Steph à l'époque, et Squat aussi. On a été les premiers à avoir les clés du réseau, donc on a fait quelques copies. Tu vois, quand on avait les clés du réseau, ça marchait dans tout le réseau, quoi. C'est-à-dire qu'on lui ouvrait toutes les portes, c'était fantastique. Ouais, c'était, le métro était à nous la nuit, quoi, sans carte orange. Et la journée aussi, à vrai dire, sans carte orange. Les Psy et Colt qui avaient fait une bonne assoce ensemble, qui faisaient des psycholes dans le métro. De toute façon, Colt, pour moi, ça a été le must, quoi. À l'époque, pour moi, c'était, et même ça restera toujours, un des kings de la lettre en France. Parce que pour moi, il y a Bando qui est plus un designer de la lettre, et Colt, c'était plus un calligraphe de la lettre. Colt, c'était le grand perfectionniste, encore pire que moi. Et quand on faisait des dessins dans le book, c'était genre, mais alors, à la règle, machin, nickel. Mais pas un peu de travers, les contours, les machins, et on voulait faire pareil sur les murs. C'est là où je me suis mis à faire en fait des gros blocs letters parce que c'est super lisible. Tout le monde peut comprendre, peut voir à quoi ressemble la lettre et tout le monde, même un mec qui fait pas de graffiti, peut se rendre compte si le style est mortel ou pas. Et c'est là où ça devient intéressant, je trouve. Je crois qu'à la même époque, il y avait le concert de Public Enemy qui débarquait pour une espèce de concert au Globo. En fait, c'est là où, plus ou moins, c'est décidé de faire le Public Enemy derrière le Palace, parce qu'il y avait justement à aller avoir un concert et qu'on était fan et qu'on n'arrivait pas à croire que Pi débarquait à Paris. C'était un truc de dingue pour l'époque. Et donc, l'idée de Demo et de Tocol de faire un gros mur pour l'occasion. Le Public Enemy, pour moi, c'est le premier gros mur totalement illégal au plein cœur de Paris, fait comme ça à l'arrache dans la rue. Et c'est vraiment ça le graffiti, tu vois. C'est là où tu prends des vibes, c'est là où même la personne qui habite au coin, ben, je pense qu'elle dit pas que c'est du vandalisme, tu vois. Well, to me, graffiti always was about the shapes of the letters. And of course, putting those types of shapes on places where you wouldn't, you know, where they would be amazing. It's like graffiti writers are all about promotion. It's all about getting up. It's all about putting up your tag. So it's a kind of a, you know, I mean, we're every day we're seeing advertising, you know, and graffiti in a way has some legitimate purpose. I mean, it's people expressing who they are. Le graffiti, c'est de la publicité. C'est même une nouvelle forme de publicité, c'est de la publicité sauvage. Tu fais la promotion d'un produit, et ce produit, c'est toi. Et comme outil, l'outil dont tu disposes pour promouvoir ce produit, c'est le vol. Le vol de ta peinture, et surtout le vol de tes espaces publicitaires. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Quand tu fais un disque de rap, tu as besoin d'être produit, tu as besoin d'être distribué et tu as besoin d'être écouté. Alors que toi, en tant que graffiteur, tu imposes et tu fais subir aux spectateurs ta propre campagne de publicité exactement à la manière de la publicité. La publicité, tu ne peux pas passer à côté. Tu la vois sur les affiches, tu la vois à la télé, tu vas aux chiottes, ils montent le son, tu te retrouves pris là-dedans.
Et c'est pareil avec le graffiti. La seule différence, c'est que tu donnes de thunes à personne parce que tu rentres pas dans un système. Et ça, c'est ce que personne peut accepter. Les gens qui habitaient à Paris et qui ont commencé à voir les trucs arriver vers 82-83 et ensuite l'explosion vers 87-88, complètement massacrés jusqu'à nos jours, ils ont pas compris quoi. Ceux qui étaient pas connectés à la culture hip-hop, ils ont pas compris ce qui se passait quoi. C'est-à-dire qu'au départ, je trouvais pas ça. Enfin, je pensais que c'était une nouvelle forme de peinture, une nouvelle forme d'art. Mais là, maintenant, non, parce que finalement, il y en a absolument partout, dans tous les coins, ici, sur tous les immeubles, dans le métro. Alors là, c'est beaucoup trop. Moi, je pense que ça doit être que des étrangers qui peuvent faire ça, quoi. Je n'entends pas sa voix du tout, et je commence à en avoir marre. Parce que des débiles mentaux, ça va, hein. Tu vois. Et même moi, je l'ai vécu, même moi, vis-à-vis de ma propre famille, qui comprenait pas ce qui se passait, quoi. Comment ça se fait que tu fais autant de garde à vue, comment ça se fait qu'il y a des jugements, t'as de l'angle partout, c'est toujours des embrouilles, c'est n'importe quoi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous faites? Oh, les jeunes, vous faites quoi, là? C'est quoi votre nouveau truc? Ben, on est en train de bousiller Paname. Mais c'est pas un métier. Mais oui, mais on bousille Paname. On fait ça quand on veut, quand on a des marqueurs, quand on a des matériaux sur nous, et on tague sur les rues, sur les portes, n'importe où. Et ça a coûté 6 millions de francs en 86 à la RATP. Depuis 2 ans, la RATP, avec la société Comatech, entame une lutte acharnée contre les graffiteurs. On les appelle les taggers. La nuit, ils rasent les murs équipés de feutres ou de bombes à peinture. Ils affectionnent les wagons du métro. Ce ne sont plus des graffitis, disent les amateurs, c'est de l'art brut. Brut peut-être, mais cher pour la RATP qui estime que le nettoyage lui coûte quelque 35 millions de francs par an. Voilà, un petit sujet sur les graffitis. On a un petit peu l'habitude de confondre graffiti, tag, artiste graffiteur. S'il n'y avait pas eu les graffitis à un moment, je crois que le mouvement hip-hop en France, on n'en parlerait plus du tout. Aujourd'hui, on gagne de l'argent, on fait des vêtements, on fait du rap, on fait plein de choses, ça marche, tout le tonnerre, des millions de francs qui tombent, ça pleut. Mais il y a un moment où mettre une casquette sur sa tête et avoir l'air d'un Zoulou, c'était la honte, on se faisait jeter des pierres. Plus personne n'en parlait, tout le monde avait posé les armes en gros, et ce qu'on continue à faire un petit peu de mal et continue à faire parler des choses et bien parler à un moment parce que ça a pris une ampleur phénoménale, c'est bien les personnes qui ont fait des graffitis. Toute la période creuse qu'il y a eu en France, après l'émission hip-hop dont tu parlais, qui avait sur TF1, et en fin de compte l'explosion du rap français par la suite qui a ramené le hip-hop devant les médias, il y a eu toute une période creuse où c'est le graffiti et les gueurtas forcenés qui n'ont pas lâché l'affaire, qui ont fait que ce mouvement a perduré. Mais à un moment donné, sans le graffiti, je crois que le hip-hop en ce franc, il aurait peut-être été mort. Parce que la danse, elle avait pris quand même un essor plutôt vers le bas. Le rap, c'était pas encore vraiment là. Et les endroits où il se passait des choses, où il y avait des manifestations hip-hop, essentiellement, c'était des gueurtas qui remplissaient les salles et qui étaient là. C'est pour ça qu'il y a eu pas mal, en fin de compte, de gueurtas de cette époque qui sont devenus rappeurs. Et des gens comme NTM et Assassin en font partie. Parallèlement, je te démontre que quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta nature, aucune race n'est supérieure car il n'y a pas de couleur pour être un cartonneur. Le terrain vague de Stalingrad entre en chantier. Dès lors, chaque quartier a son terrain vague, mais aucun lieu ne réussit à remplacer Stalingrad. Les graffeurs continuent à développer et à diversifier leur style dans d'autres endroits. À la fin des années 80, John Wan développe une forme abstraite de graffiti, le freestyle, où la lettre disparaît pour laisser place à une composition de couleurs et de formes. En parallèle, Ski et Lokis travaillent de nouveaux styles. Dans une recherche de dynamique des couleurs et des formes, Lokis déstructure les lettres en en enlevant les contours, alors que Ski se sert des contours non plus pour faire un nom, mais pour faire ressortir une forme. Et par la suite, voilà, ce qui est arrivé, c'est-à-dire que moi j'ai commencé à tourner en couille et j'ai commencé à faire des vaisseaux et trucs comme ça, quoi. Ça ressemblait un peu à
une espèce de machine de guerre romaine, tu vois, un peu antique, avec des lances devant, tu sais, des trucs d'attaque, quoi, tu vois. C'est des, comment dire, des constructions très mécaniques, ou entre l'organique, c'est pour ça qu'on s'est bien entendu avec Ski, hein. C'est, je veux dire, on a dû regarder Jigger tous les deux. Donc en 89-90, j'y vais vraiment à fond dans ce que j'aime. Et c'est là où commence les gros, le travail sur les têtes, je sors des lettres, etc. On peut dire ce qu'on veut, on peut aimer ou pas, mais bon, il y a quand même une recherche de dynamique et de vitesse et de violence. On sortait complètement hors norme du graffiti hip-hop qui était là, avec des petits b-boys sur le côté, avec le petit microphone, avec le petit poste radio, avec le petit truc à capuche. Tu vois, le petit wild style, là, tu vois, le petit truc bien tradition, quoi, tu vois. Le problème, c'est qu'il faut toujours que des gens, je pense, se rassurent en mettant une hiérarchie. À partir du moment où on commence à mettre une hiérarchie, c'est la fin. Et il y a un moment, on a mis une hiérarchie. C'est là qu'on a dit, les argents et noirs, il n'y a que ça. Et la couleur et les murs Lego, c'est de la merde. Moi, ce qui me plaît, c'est que c'est la dynamique des couleurs. À partir de là, bon, je respecte en même temps ceux qui le font. Après, dire comme Bando, l'argent est noir, c'est la qualité de la lettre et tout ça, moi, ça me fait doucement rigoler. Bon, après la période de la rue, on a commencé à rentrer en galerie. Ça, c'était un point d'impact très très fort et c'était 1990. Donc, on est rentré par hasard, qu'on est rentré par la porte du Terravague, on est sorti par la porte d'une galerie. Et on a commencé à peindre sur des toiles. Fin des années 80, plusieurs galeries exposent le travail des graffeurs. Agnès B. a exposé dès 1989 Futura 2000. Elle continuera régulièrement à promouvoir les graffitis artistes. Les expositions vont se succéder. Alors si t'as payé ta dette dans la rue à faire des graffitis comme un enculé, machin, machin, et que tu vois, 10 ans plus tard, t'es là, bon, vas-y, maintenant, je vais faire que des toiles, j'en ai marre de défoncer la rue tous les soirs, machin, ça, je respecte ça. Mais si t'es un petit rigolo qui a jamais défoncé dans la rue, qui tout d'un coup fait des toiles, bien sûr, et qui prend de la notoriété avec ça, et que si tu fais des graffitis, c'est des conneries, parce qu'il n'y a rien derrière. If you're going to be a street writer, artist, graph, whatever you want to call that person, and you want to now present work in a gallery, you may have to change what you're doing to kind of adapt to this new venue, the new arena. I mean, all of us were kind of on this level in the street, but when we went to the galleries and everything, we were at the bottom again. You know, it's anything you are in the street means nothing in the gallery. And most of the artists from the graffiti world never really made it into like the art world. J'ai jamais fait de graph vraiment avec des lettrages ou des trucs comme ça, comme Crash ou Dez l'ont fait. Parce que moi, j'ai toujours pensé que c'était de la décoration. Ça avait rien à voir avec le graph, c'était du commercial. Quand je voyais des lettres, je me disais, mais putain, merde, pourquoi ils peignent sur des toiles, tu vois, une espèce de morceau de tissu encadré par un bout de bois, c'était ridicule, quoi. C'était médiéval pour moi. Le futur, c'est dans la toile. C'est pour conserve what we do, you know? To conserve it, because we, as graffiti artists, we go to the streets, we do beautiful walls, and everybody, you know, they pisses on them, they race it, and what's that, you know, we have no respect, so we have to respect, we have to, you know, conserve what we do, because what we do is in maybe in 50, 100, 100 years, when they look back into the time, they'll realize that we were an intelligent group of artists, and we had to go through a lot, you know? Ainsi, les writers voient leur art accepté dans les manifestations culturelles et artistiques. Des festivals de graffiti s'organisent et ils sont encore aujourd'hui nombreux et réguliers. Plusieurs galeries d'art se sont spécialisées dans l'exposition du travail des graffeurs. Le graffiti s'est imposé comme un des mouvements de la peinture moderne. C'est la balle ? Ça va, c'est la balle, tu vois ? Ouais, on est fin 80, c'est l'explosion du biota. Voilà, tous les petits gamins dans les lycées du 16e ou partout en banlieue, ils ont chacun leur tag. Alors, t'as soit le tagueur qui va vraiment dans les rues, et soit le petit mec qui a juste tagué son sac à dos Ispac et qui a son petit tag à 2 francs.
les taggers, les TCG, ils avaient plus ou moins arrêté, chacun faisait un peu les trucs dans leur coin. Et donc là, il y avait des nouvelles générations qui arrivaient, mais il y avait toujours quelques gars qui étaient encore un peu de l'ancienne, dont Haro, moi, mon Moto qui continue à peindre, Cole, Psychose, tout ça, ils continuent. Mais donc, si tu veux, l'ensemble des gars, Squat, il avait plus ou moins arrêté, Sain aussi, Joe et Shen, tu vois, tous ces mecs-là qui étaient là, des anciens, ils avaient plus ou moins arrêté. Tu vois, t'avais la nouvelle génération qui sortait ses griffes et les autres, on entendait un peu moins parler. Et nous, on se disait, il faut qu'on marque. Il faut qu'on marque quelque chose de plus. Et en premier lieu, c'était plutôt les métros qui nous intéressaient. On fonce dès les entrepôts, on fonce dès toutes les lignes. Aucun répit, on se croise même dans les entrepôts avec d'autres Gurta. Et la technique de base était donc le Posca, ce qui est un marqueur qui n'est pas celui-là, mais un Posca de 15 avec une encre Flowmaster. Après, on passait donc aux marqueurs un peu plus gros. Il y avait les 20, il y avait les torches. En fait, on trempait même des éponges dans l'encre pour que l'encre puisse faire des énormes traits et rester. Il y a eu beaucoup de journaux qui commençaient à parler de nous et de la 13. La RATP qui nous faisait énormément de pubs avec leur bandeau. La 13 a coûté tant de millions. Ouais, il y a eu tout ça, quoi. Ouais, que chaque ligne avait son groupe. T'as les DMS et les MKC sur la 7, TKV la 9. Le 93 pour la ligne 13, ensuite il y avait la 1 pour les VEP. Et c'est là où le phénomène est devenu vraiment un phénomène de société, parce que les gens ont halluciné sur l'état des métros, ils étaient à jeter. Je sais que c'est nous qui avons fait partie des gens qui avons supprimé les premières classes, parce qu'à l'époque elles étaient jaunes. Moi quand je suis arrivé avec la Corio sur les premières classes jaunes, c'était foutu. Les trains, ils étaient foutus, tu pouvais le jeter à la poubelle, il était cassé. À un moment, il y a tellement de taggers que quand tu descends dans un entrep, il y a un mec qui est déjà passé avant toi, tu vois. Donc t'arrives avec ton encre et ton éponge, sauf que le métro, il est déjà marave. Donc tu dis, bon, qu'est-ce que je vais faire, quoi? Est-ce que je vais prendre le risque de prendre des bombes? Parce que les bombes, ça sent et tout. Il n'y avait pas beaucoup de trains, il y avait beaucoup d'entrepôts qui avaient été faits, à l'époque des TCG, même à l'époque des anciens et tout. Mais les mecs, ils faisaient pas des gros graphes, tu vois. Les graphes, c'était pas encore. On en faisait dans les tunnels de métro, pas mal. Il y avait Squad 5, comme je disais tout à l'heure. Mais on n'en faisait pas sur les métros. Et là, on commençait à arriver les trucs, justement, des AEC. On est descendu avec les bombes, avec les crayons, avec les boomclaques. Et puis on a sorti les graffitis. On a remis les bouchées doubles et ce qui à la finale a été une bonne émulation entre le métro et les stations parce qu'on a commencé chacun à mettre la pression en peinture sur le métro à Paris. Par semaine, c'était au moins 4 ou 5 entrepôts. Bon, forcément, il y a des lignes qui ont saturé, des lignes aériennes, la 6. Il pouvait y avoir des périodes où il y avait 7, 8 métros à nous qui étaient peints, qui tournaient en même temps. Particulièrement, ça roulait jusqu'à 4 voire 6 mois dans l'année. Des stations aussi, il y a eu beaucoup de stations, ça on n'en parle pas, mais il y en a eu beaucoup et on s'enfermait, on avait les clés et tout. Plus on pétait des stations, plus ça devenait commun et il fallait trouver une station qui ait du prestige et voilà, une station qui n'avait jamais été faite. La station de métro Louvre a été victime la nuit dernière de taggers qui ont recouvert de graffitis les reproductions de statues et de bas-reliefs exposés dans cette station. Note du nettoyage, environ 500 000 francs à la charge de la RATP, donc des usagers contribuables. La Marseillaise en est encore toute retournée.
Cette statue de la Révolution et ses sœurs du métro Louvre, toutes copies d'œuvres célèbres, ont subi l'autre nuit un bien spectaculaire outrage. La station entière souillée, ou selon les avis embellie, par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage ou graffiti. Selon la RATP, les voyageurs ont fort peu apprécié. T'allumes la télé le soir et tu vois tes trucs à la télé, t'hallucines complètement. Et on s'est dit qu'on avait réussi, le coup avait été réussi, quoi. André, qui était sur le quai, qui répondait à des interviews, machin. Moi, j'aime bien ce qu'ils ont fait parce que l'idée est marrante quand même, c'est de s'installer au Louvre, le musée, le graffiti s'installe au musée. Cette idée-là, j'aime bien. La plupart des Parisiens n'ont pas supporté. C'est pour ça que nous avons voulu faire très très vite pour le nettoyer. Donc on savait qu'on aurait une bonne couverture presse, mais pas à ce point-là, quoi. Moi, j'avais un vieil interview dans VSD. Et là, ils ont repéré mon graffiti, ils ont mis en gros Eno, le roi des taggeurs. C'est lui qui a fait la station Louvre, ils ont pas mis de cache sur mes yeux. Ouais! Ça, c'est l'impact de Eno. VUP, ma gueule. Oh, ah, tu as la force psychologique. Voilà, ça, c'est du vrai vandalisme, t'as vu? Sans les mains, qu'est-ce que tu crois? J'ai plus besoin de marqueur, moi. Regarde ça. C'est lui qui a fait la station Louvre, ils ont pas mis de cache sur mes yeux. Au bout d'un mois de requête, ils ont débarqué, gros serrage de dingue, c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'est remonté jusqu'au ministre pour choper les mecs qui ont fait la station Louvre, donc ils ont mis des moyens de police, d'investigation, ils ont chopé les mecs. Et pour la première fois, des personnes sont incarcérées pour avoir fait des graffitis. La répression existait déjà depuis le départ, mais elle a pris à ce moment-là une tournure beaucoup plus sévère. Une brigade de la SNCF va se spécialiser dans la lutte contre ce phénomène. Par la suite, les lois seront adaptées et durcies. La prison ne sera plus une exception. La pratique du graffiti va devenir beaucoup plus risquée. On fait de la prison pour du graffiti, alors que notre seule idée était de faire ouvrir les yeux aux gens, quoi. Même si je pense qu'il fallait marquer le coup, je trouve ça exagéré de mettre des gens en prison pour de la peinture. Maintenant, ils savent pas trop comment faire. Mais en même temps, moi, en ce qui me concerne, par rapport à l'impact du truc et par rapport au plaisir que j'en garde, je regrette pas. Le graffiti a pris 10 ans de ma vie. Moi, j'ai fait ça de manière méticuleuse, sérieuse, comme un travail. Et maintenant, je réalise que j'ai fait tout ça pour pas grand-chose, uniquement pour le kiff. Et s'il fallait le refaire, je le referais direct. Parce que pendant un moment, rien que le fait qu'on pensait pas au fric, et ça, c'est très rare, je souhaiterais même à mes gosses si un jour j'en ai. On a eu 4-5 années magiques où de toute façon on s'en foutait, on volait tout, on n'avait pas besoin d'argent. Et les soucis d'argent ne nous traversaient même pas la tête, quoi. C'est le plaisir d'avoir amené ton art un petit peu plus loin. C'est pourquoi dans le rap, il y a pas mal de gens qui peuvent stagner. Parce qu'à un moment donné, le truc qui va te faire plaisir, c'est le chèque qui tombe. Donc ça te pousse pas à aller plus loin. Si je pense que si dans le graffiti, à un moment donné, tu vas pas plus loin, t'arrêtes. On a continué, c'est là qu'on commençait vraiment les pseudos. Bon, pour nous, parce que même sur nos mandats de dépôt d'incarcération, on avait nos surnoms, tout ça, c'était plus possible. On faisait un tag un peu voyant, il débarquait tout de suite. On a dû trouver des solutions, encore une fois. Les solutions, c'était des changements de nom. Moi, j'ai fait des Mush, Sen, Sent, Raki, Kent. Faut quand même l'avouer, c'était assez violent. À l'époque, il y avait de la dépouille, ce qui faisait que les gars qui restaient actifs là-dedans, c'était aussi des gars qui l'avaient vraiment dans le cœur et aussi les couilles pour le faire. On faisait même des batailles de gangs, comme on dit, dans des terrains vagues. Fallait vraiment éviter de se faire mettre à l'amende parce que ton buzz, il pouvait tomber en flèche si d'un coup tout Paris disait que tu t'étais fait dépouiller ton sac de bombes et tu t'étais pris de pain dans telle station la veille. La nouvelle génération perpétue les deux manières de pratiquer le graffiti. À savoir d'un côté sortir des lettres toujours plus belles dans des endroits encore plus improbables, et d'un autre pousser encore plus loin les illustrations et les styles sur les murs Lego. Ainsi, les writers de la deuxième génération investissent à leur tour les terrains vagues, et si certains vont y peindre en parallèle à leur activité illégale, d'autres vont s'y installer exclusivement. D'un autre côté, t'as aussi des mecs comme les PCP, Cap, Numéro 6, tu vois, qui je pense a apporté un peu de nouveauté en fait dans les personnages, tu vois. Au début, t'avais Mode 2, les BBC, et puis t'as eu Numéro 6. Quoi.
j'étais un grand fan de mode, c'est-à-dire beaucoup plus que Jeb, bien que bon, j'ai appris à redécouvrir son travail après. Mais il y a eu une période de gestation où on faisait du mode, quoi. Enfin, les gens qui faisaient du perso essayaient de faire au moins un peu aussi bien que lui. Ce qu'il y a franchement PCP, ce qu'on a réussi à faire, hein, genre peut-être, c'est on a peut-être réussi à amener un style en France qui a débloqué les yeux de ce que les gens sur lesquels ils étaient bloqués, quoi. Ils avaient vu que mode et bim, on a apporté un style. Bah, c'était en fait des persos qui ressemblaient pas à des b-boys, quoi. Et c'est là où c'était un peu nouveau, c'est qu'on s'orientait plus vers de la BD, vers quelque chose de nouveau en fait. Bah, disons qu'il y avait vraiment la volonté de faire de l'image, quoi, avant tout, plus que du vandalisme. Je dis numéro 6, c'est lui qui était le plus fort d'entre nous, qui a apporté, qui avait un esprit débordant d'idées de dingue. Et je pense que numéro 6 a influencé pas mal de gens par la suite. À côté des PCP qui se sont distingués grâce à la qualité de leurs illustrations, un autre crew, les Mac, morts aux cons, se font également remarquer pour leur travail en groupe et leur capacité à exécuter des fresques de grande taille. Nous, notre kiff, c'est peindre ensemble pour justement partager des choses et même se pousser plus loin par rapport au c'est pas individualiste, quoi, tu vois. C'est pas compétition pour qu'il y ait un gagnant parmi nous, c'est compétition pour qu'on soit gagnant. Il y a un mur comme le mur de la rue du Noir, en fait, qui est au métro national, où, qui fait la longueur d'un stade, en fait, a commencé à être un des gros spots aussi parisiens, parce que c'était à la fois accessible de la rue et à la fois c'était toléré. Et donc, au début, c'était plutôt un grand patchwork. C'était les TW, c'était certains des Mac, il y avait Nacio qui était là, il y avait pas mal de gens. Et ensuite, le mur a commencé à être repeint régulièrement. Mais bon, Dunois, ça a été, et c'est encore, un bon spot à Paris, un espèce de Hall of Fame. On a fait des gros murs à Bagnolet, là, on a fait un gros mur sur le Millennium, un gros mur Tibé Libre, tu vois, les trucs que finalement la municipalité, les mecs des élus, tu vois, qui passent là, ils font « mais c'est quoi ce délire ?» T'as des mecs qui viennent, ils peignent à Bagnolet, ils font des grosses productions comme ça, t'as des mecs qui viennent, t'as la télé qui viennent, des journalistes, des mecs qui viennent prendre en photo, t'as les voisins d'à côté, ils sont super contents, et nous on n'est pas au courant, mais vous êtes qui et tout. Ouais, nous on fait ça, mais on vous demande rien, hein, on n'a rien à voir avec vous, quoi. Bah maintenant, ouais, on a toute la rue Sadi-Carnot, on peint dans c'est des spots qu'on peint en pleine rue. On a des spots comme ici, tu vois, où les gens, la population vient et apprécie, quoi, tu vois. T'as pu voir des vieux qui viennent, ils se prennent en photo devant, ils prennent leur petit-fils devant. Moi, ça me fait kiffer. Aujourd'hui, ça prend carrément une autre dimension, quoi, tu vois. C'est les gens, ils kiffent. Donc, voilà, autant en profiter, quoi, autant les faire kiffer, quoi. Les fresques éveillent l'intérêt de la population pour le graffiti. Certains writers développent un graffiti légal, sur des murs autorisés, ou remplissent des commandes pour des entreprises ou des mairies. Même si la démarche de rendre le graffiti accessible au public est belle, elle est controversée. Certains lui reprochent de chercher à plaire et de transformer le geste contestataire de départ en une recherche de consensus. Loin des regards, les writers continuent à se retrouver dans les terrains pour y faire évoluer leur style et pousser plus loin le travail sur les lettres. Moi, ce que j'aime dans un mur, c'est quand chacun fait son truc. Entre chaque graphe, il y a un perso, si c'est possible. S'il y a un mec qui déboîte en perso, qui peut faire un perso, ça va faire une espèce de bande. Faut pas... moi, je kiffe pas les murs où il y en a un. Il y a les uns empilés sur les autres, il y en a partout. J'aime bien une bande comme ça, homogène. Chacun fait son truc, et voilà. En fait, comme tu peux plus peindre de métro, parce qu'à la base, c'est le kiff, c'est quand même de peindre des métros. Les murs, c'est bien, mais ça n'a rien à voir. Donc, on essaye d'adapter ce qu'on faisait sur les métros sur un mur. Dans ce genre de style, justement, New York, un peu old school, etc., qu'on essaye de maintenir, et ben, t'as des gens qu'on a rencontrés, des gens comme Jay, Mode, tout ça, des gens qui sont vraiment à l'ancienne ici, à Paris. Et quand on fait des graphes GT, BBC, moi je pense que le mur il est super cohérent et c'est pas un truc tout mélangé de fraguel, quoi. Donc là, je pense que le graffiti tel que je le vois, il prend vraiment son essence, quoi.
Notre style c'est Galactic Tugs, nous on l'appelle comme ça, c'est un style qui vient d'il y a super longtemps, c'est un style préhistorique qu'on remet à une sauce galactique. C'est-à-dire que par exemple tu prends des styles de bandeau ou de chou de l'époque, qui sont des flèches et des bases super super simples, super fines, avec juste de l'outline et voilà, et tu compliques la chose de façon à ce que ça ressemble à un robot ou à un vaisseau spatial. C'est-à-dire que nous on essaye de faire évoluer un truc à l'ancienne à une sauce 3008 quoi. Tu vois, en ça on a un groupe qui ressemble un peu à ça en Allemagne, à Berlin, c'est les RTZ. Eux ils sont un peu dans le même délire quoi, c'est Return to Zero, ils partent de vieilles bases pour faire des nouveaux graphes, et ben on suit un peu cette mouvance quoi. Well, it's all about getting fame. So, getting fame and respect. And there's lots of ways of doing that. And generally, within the graffiti world, just doing legal spots doesn't gain a lot of respect. Mais moi, j'ai 100 000 fois plus de respect pour un gars qui va peindre tout seul la nuit, qui va mettre son nom en couleur ou pas en couleur sur un truc plus ou moins interdit, parce que le graffiti à la base c'est interdit, qu'un mec qui a passé un mois avec un échafaudage ou à 15 mecs avec des rouleaux de peinture, avec des pistolets à peinture et tout. C'est vrai que le résultat ça sera pas le même. Le résultat, le gars qui t'a fait un truc en 2 heures tout seul la nuit et le gars qui t'a fait un truc en un mois sur un énorme mur, le résultat pour monsieur tout le monde va choisir le grand mur. Mais en vrai, c'est pas ça le graffiti. Le vrai graffiti, c'est le gars qui a peint tout seul dans son truc. Quand tu fais un terrain, donc il faut vraiment faut faire la démarche de sauter un mur, passer une palissade pour aller voir le grave du mec. Alors que faire du graffiti illégal, c'est-à-dire un mur bien placé ou un train, c'est pour quand même que les gens se prennent dans la gueule, qu'il y ait une réflexion, que ça se réveille un peu dans les chaumières, quoi. You gotta be really original on a legal wall to stand out. Because if you do the same on a legal wall you would do on an illegal wall, then yeah, you know, it's a lot more boring because the energy of if it's done illegal, it's got more energy and you can see it, you can feel it. Bon après bon bah les mecs qui font les terrains, ils font des jolis trucs, ils font du dessin, ils font de l'art à la limite, d'accord, mais ils sont pas dans le vrai délire graffiti quoi. C'est pas des writers. À partir de maintenant, certains writers ont préféré rester anonymes. Les peintures qu'ils réalisent sont illégales et ce sont des délits. Leurs propos ou leurs actes pourraient bien évidemment être utilisés contre eux dans le cadre de poursuites pénales. Ils font partie de la dernière génération de writers, qui a assisté à une importante mobilisation des autorités pour faire disparaître le phénomène. Tant à travers son nettoyage immédiat et systématique, que par le déclenchement quasi automatique de procédures répressives. Salade et tag, plus qu'on va tous taguer ensemble, c'est ça qui est important. Là au niveau des rues, même si il y a du grand nettoyage quoi, ces dernières années, au niveau juste des throw-ups sur les rideaux de fer, des styles de Guetta, tout ça, il y a eu de l'évolution quand même. Tu vois. Et c'était la grande mode des rideaux de fer, c'est que tout le monde tapait les rideaux de fer, puis en fait on s'en rend plus compte maintenant parce qu'il n'y a plus rien, mais à l'époque il y avait vraiment, c'était bourré quoi, c'était blindé de tags. Et puis par la suite, je crois que c'est vers 96, il y a eu une petite mode des throw-ups, des flops sur rideaux de fer.
Dans la culture du graffiti, le trap, c'est un peu ce qui passe au-dessus du... C'est la limite entre le tag, en fait, et le graph. Chaque lettre du throw-up est exécutée d'un trait ininterrompu, comme un tag. Et ce trait forme le contour d'une lettre pour lui donner du volume comme un graphe. Throw-up is a piece that is made to be done fast. Fast means the more you can do that night, instead of doing one nice piece, you can do 100 or 200 throw-ups. That means your name is getting around more. And the more your name gets around, the more people see it, and the more famous you get in the graffiti world. Le throw-up est particulièrement apprécié des writers, mais son exécution demande une grande maîtrise des lettres. C'est un style d'écriture spécifique que les nouvelles générations vont nettement plus utiliser que les anciennes. Il y avait déjà des mecs comme Chaz ou D-Light ou les TCK qui faisaient déjà des strops comme nous, on a poussé ça. On a mis ça, si tu veux, à un niveau industriel. C'est-à-dire qu'on faisait que ça, on sortait, c'était strop. Tous les stores étaient pétés, il fallait pas qu'il reste un store avec des tags dessus, quoi. Il fallait qu'il y ait des strops partout. Donc on est parti sur les stores parce que c'est clair que c'est le support le plus où les tags ou les graphes restent le plus longtemps. En général tout est effacé sauf les stores. Tu peux tomber sur un store avec un bandeau et un haut clock en même temps ou n'importe quoi. Enfin, toute l'histoire du graffiti sur un store, tu peux la retrouver. Donc on se disait au moins là ça va rester. Et donc je crois que l'apogée c'était 98 où pratiquement quasiment tous les stores étaient strompés, tous les toits, tous les camions. C'est vraiment tout le monde le voit. Tu veux pas le voir, tu le verras quand même. Donc des throw-up en pleine rue, des tags fat cap en pleine rue, c'est vraiment, vraiment, vraiment au top. Disons qu'une telle prolifération de graphes au même moment, dans les deux mêmes années, 98-2000, surtout 99, c'est clair que ça a fait le changement, quoi. Qu'il a déchaîné Paris, je me dis putain, il faut pas que c'est lui tout seul qui fait la fête. So, moi, je vais essayer à faire un petit peu la fête avec lui parce que c'était trop facile. Bon, il y a plus ou moins de gars qui ont défoncé dans leur époque, mais il y a des gars qui ont bien marqué. Il y a O'Clock, lui, moi, je trouve qu'il a marre sur Paris grave. Il a fait New York, il a fait plein de villes dans le monde. Bon, maintenant, après, il y a eu des histoires avec la justice, un peu comme tout. Quoi. Tu peux pas faire. L'un ne va pas sans l'autre, c'est comme on peut dire. Et aujourd'hui, tu as un gars comme Tran, pareil, il est arrivé de Marseille, il a défoncé Paris, il a mis tout le monde à l'amende. Un UV, TPK, quoi, voilà. Il est là, quoi. Il est sur les toits, dans les rails en bas, un tag là-bas. Et lui, il s'en bat les couilles, il sait pas, il vient, il te fait un graphe, il se casse, il vient, il te fait trois graphes à 40 mètres les uns des autres et il se casse. Tu vois le délire, c'est un autre délire, quoi. C'est genre du matraquage, mais bon, c'est ça le graffiti. Avec les GT, avec TPK, avec Tran, tout le monde a Seb, ça a devenu out of control Paris. It was too cool. Too cool. Peut-être une des seules, pas la seule, mais c'était une période très unique et Paris il avait tellement d'énergie dans la rue. Les rues de Paris, c'est clair qu'elle n'avait jamais connu ça, à mon avis. Quoi. Le manque de peau, c'est tombé à très peu de temps avant que la mairie de Paris décide de tout effacer et qu'il n'y ait plus un seul graffiti sur Paris.
début, on les a surpris quand même à faire tout ça. Parce que bon, ils avaient eu la période AEC, UK, les VEP qui avaient fait beaucoup de Gotha, tout ça. Bon, ok, ça roulait tout. Après, il y a une période un peu creuse, mais on sait même pas pourquoi. Les gens ont dit c'est cramé, mais en fait, c'était pas cramé. Avec Fizz et Fraise, on a fait des 10 panels d'un coup en une après-midi, comme ça. On pétait des entrepôts. Les jours, passer mes après-midi à voler des bombes, voler de l'encre et pour préparer du Tosma pour le lendemain, tu vois, tous les jours j'allais faire des podés, je séchais tout le temps les cours. Et pour moi, il n'y avait plus d'école, j'avais plus de raison, c'était tout pour le graffiti. Quoi. Le métro, maintenant, je pense que c'est. C'est chiant parce que ça tourne de moins en moins, tu vois. Tandis que les trains, t'es quasiment sûr que ton train il fasse un aller-retour. Le métro, c'est faut vraiment avoir de la chance pour qu'il tourne, quoi. Bah, les métros, c'est bien, tu vois, t'as ta photo, mais le plaisir, le vrai plaisir, c'est de voir ta pièce tourner. Et en fait, maintenant, tu la vois plus tourner, quoi. C'est très rare. Maintenant, on nous a effacé nos tags, tu vois, nos signatures, on les a effacées, on a fait avec ce qu'on pouvait, on a pris un tournevis, on a gravé le métro, tu vois. Pour moi, c'est de l'art, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'est du vandalisme, mais c'est de l'art quand même. De la même manière que t'as des mecs qui font du terrain à grande échelle, t'as des mecs qui font du train à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des trains tous les soirs, qu'ils vont prendre des trains tous les jours. Début des années 90, les RER ont commencé à être peints. Mais c'est plus tard, privé du métro parisien, que l'énergie des taggeurs s'est reportée sur les trains de banlieue. Ils investissent les lignes les unes après les autres et réalisent des peintures de plus en plus impressionnantes, tant par leur qualité que par leur quantité. Et ben en 92, donc on se met à faire des wallcars, donc des pièces carrément en couleur sur les trains. Et je pense que c'est ça qui. Enfin, c'est vraiment ça qu'on a ramené dans le graffiti en France. C'est de faire des espèces de grandes scènes en couleur avec des personnages, mettre un espèce d'univers fantastique sur les trains, mais qui est même plus dans le délire vandale, mais qui est plutôt dans le délire vraiment faire une espèce de belle pièce en couleur sur un train. Des supports qui poussent au respect, c'est les trains. Donc, c'est quand même un grand kiff de poser son nom sur un train et qu'il roule. Ça, c'est vraiment le support qui défonce, c'est le numéro un. C'est le truc de voir cette couleur rouler sur un... La couleur qui roule comme ça sur un train, que ce soit un nom, des persos, ton nom ou un autre nom ou une phrase ou quoi. Cette couleur qui passe sur les trains comme ça, qui roule, c'est vraiment trop beau. Déjà, il roule et il rentre en station et tout le monde le voit quand il tourne. Et on dirait qu'il prend vie et qu'il... Le graffiti part, on dirait qu'il prend vie, quoi, qu'il reste pas inactif et que juste 2-3 personnes vont voir. Tu sais que quand il va tourner, il va choquer plus d'un, quoi, sur le quai. Aujourd'hui, continuer à pratiquer le subway art coûte cher. À chaque nouveau graphe, la SNCF porte plainte. Comme l'avait déjà fait la mairie de Paris pour les rues et la RATP pour les métros, elle met tout en œuvre pour empêcher ces peintures qui lui coûtent chaque année plusieurs millions d'euros à nettoyer. On a fait plein de trains et là il y a plein de mecs, bon les SBK qui étaient déjà bien chauds sur la A sont venus sur Saint-Laz, on fait plein de Saint-Lazare aussi. On voyait sortir les trucs des UV, ou bien quand les UV attendaient leur train, ils voyaient sortir nos trucs à nous. C'était vraiment... Ouais, Saint-Lazare, c'est vraiment ça qui s'est passé, quoi. On s'envoyait des trains dans la gueule les uns les autres, et voilà, c'était à celui qui allait en faire le plus, à celui qui allait niquer le plus. Et il est même arrivé des fois où le lundi matin, on voyait sortir un train sur lequel les deux groupes étaient passés à des moments différents, des trucs comme ça, quoi.
moment, on s'est dit qu'il faut faire la nichée parce qu'il y avait des graphes qui roulaient. On s'est lâché, on a pété l'acier, tu vois. On l'a foudroyé, on a fait des scènes de malades. Plus on en faisait, plus ça roulait, plus les autres en faisaient, c'était une compète de ouf. On a commencé à faire du wallcar, du walltrain, des 4 wallcars en couleur avec des persos, vraiment des scènes qui roulaient. C'était des putains de délire. Tu regardes les photos, c'est ambiance New York. Avec le développement des magazines, puis l'arrivée des sites web, les writers communiquent à travers le monde. Les nouvelles générations voyagent pour étendre leur notoriété et faire circuler leur nom hors de leurs frontières. Je ne te dirai jamais qu'on a été les premiers à voyager parce que c'est pas vrai. Les voyages, les vieux bandeaux, tout ça on avait déjà fait via l'Angleterre, la Hollande, tout ça, bon, cette histoire-là on connaît. Mais disons qu'en fait, moi je pense qu'on a vraiment été les premiers à vouloir donner une dimension européenne, tu vois, à nos noms, à notre peu gros. Il y a eu un peu une mode quoi, de se balader un peu partout, puisque de toute façon il y a eu des magazines qui sont arrivés, on a su que dans chaque pays il y avait des trucs foncedés et tout. Et disons que nous notre terrain de jeu il n'était pas à Paris et en France, il était partout en Europe. Enfin c'est un des trucs qu'on a développé aussi, parce qu'il n'y avait pas ce concept-là de faire grandir son nom comme ça, à une échelle internationale, quoi. It is a good thing that it did explode and take off like wildfire around the world. It actually helped keep it alive because, I mean, as you know here, most, like New York City, I mean, you could see that it's not the way it was years ago. I mean, and by that boom around the world. The only thing I know about the scenes that are going on at the moment is like through the internet and magazines. I have noticed in the last 7 or 8 years that styles around the world have been developing in all different ways. Like Australia's got a different style to Germany, and the French writers have got a different style. And to that extent, I think, you know, everyone has their own style, each country. And I know that London has always had, from very early on, had a
its own style, and you can tell riders from all around the world, which I suppose is really important, that each country can tell pretty much, you know, a good artist and what country they come from. Moi je dis qu'en Europe, c'est maintenant les porteurs du flambeau, de la vraie tradition des graffitis. Ça concerne que les gens qui font des graffitis. Les graffitis, ça concerne personne. Ceux qui font pas de graffitis, ils ont même pas, ils ont pas de droit de regard, ils ont une obligation de regard parce que c'est là et on a été le faire devant chez toi, connard, et t'es obligé de le regarder. Mais ça ne me concerne pas du tout, ça concerne tous les mecs qui font des graffitis et personne d'autre. Et ceux qui font pas de graffitis, tu vois, devraient même pas regarder ça parce qu'ils ont aucune idée de ce que c'est.